Nous aimons tous le football et nous voulons tous gagner. Mais ces considérations ne valent plus rien dans des moments comme cela et quand ce genre de choses arrivent. C'est donc en ami qu'il pense à Fabrice. Et bien sûr, il n'était pas question que le match soit joué. C'est aussi simple que ça. Toutes les pensées des joueurs sont avec Fabrice et les intérêts personnels n'ont pas leur place ici. Les seules pensées et inquiétudes sont pour Fabrice et sa famille. Nous avons beaucoup de chance d'avoir été autant soutenus par de nombreux clubs à travers le monde. Les stars du Real Madrid ont arboré leurs t-shirts avec des messages de soutien. Gary Cahill, hier, l'un de ses coéquipiers, s'est comporté en ami et non plus en collègue. David Beckham a même envoyé des messages transatlantiques. Et ça nous montre l'opinion que les gens ont de Fabrice en tant qu'homme, et non plus comme simple footballeur, mais comme une personne. Tout cela m'émeut beaucoup. Je suis sûr que toute cette énergie le mènera, je l'espère, vers la guérison.